l'école BJJ Forte, l'école de Jiu-Jitsu brésilien, avec le champion du monde Michel Forte, warm-up. Technique simulation de combat, présentée par des enfants. Michel Forte a fait partie de l'équipe de Jiu-Jitsu brésilien de la police fédérale à la ville de São Paulo, Brésil, de 1998 à 2001. Depuis 2008, il a intégré l'équipe Brazilian Top Team Canada. En 2013, il a commencé à enseigner le jiu-jitsu brésilien et l'autodéfense dans le quartier Rosemont. On applaudit, mesdames et messieurs! De la démonstration qu'on fait en classe et c'est le jiu-jitsu brésilien. Et la modalité vient du judo. On travaille surtout le sol. La modalité du judo, c'est connu sur le Niwaza et on est porté au Brésil. Et la famille Edo Grace a produit le jiu-jitsu brésilien. C'est 100% au sol et on travaille sur le judo pour le tekkwondo pour commencer le combat. Maintenant, on va faire la démonstration du combat. Le jiu-jitsu brésilien se différencie du jiu-jitsu japonais parce qu'on n'utilise pas d'armes. Chaque tekkwondo dans le jiu-jitsu équivale à 2 points. Et on a la passage de garde, aussi les montages, la montade. Ce sont toutes modalités, tout 100% de la pratique du judo, on utilise au jiu-jitsu. La différence surtout c'est au sol. On travaille surtout au combat au sol. C'est ça qui nous différencie du judo. C'est juste ça. La philosophie, tout le principe,
vient du judo. Chico Hocano et Maeda introduisent le judo au Brésil avec la famille Ellie Gracie. Le combat pour les enfants, ça déroule normalement 2 minutes à 3 minutes. La pratique, ça commence, ça peut commencer à partir de 3 ans jusqu'à 90. J'ai des étudiants de 12 ans, demi, 3 ans. On travaille avec les parents. C'est un sport qui se peut pratiquer facilement avec un adulte et un enfant aussi. Okay, c'est une classe de 1 heure, on tous les enfants, on pratique le jiu-jitsu, on travaille toujours warm-up, technique, et après on finalise avec un combat. Ok, merci à tous, Lana, salutations, posture, rescue, sensei, tous, une fois, sensei.